Coucou le vlog, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Ça y est, on a repris un bon rythme là. On a repris un bon rythme. Les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous l'avez vu, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. On s'est réveillé à 7h. Il est 14h et c'est maintenant que je viens vers vous. Attends, mais ça fait 7h? Oh, j'abuse! Non, mais les gars. Le rythme de filmer toute la semaine et de poster le dimanche, c'est un sacré rythme. Du coup, en début de semaine, je commence toujours doucement. Là, je me suis levée ce matin, j'ai posé Nana à l'école, j'ai trouvé un peu de force pour faire un peu de rangement. Je me suis recouchée, après je me suis réveillée, j'ai traité mes mails, j'ai mangé, je me suis douchée et me voilà fin prête à me présenter devant vous. Moi, je m'y propre au moins. Les loulous, dans ce weekly vlog, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Une semaine de plus, une semaine de mom life, une semaine de boulot. On a un voyage au bled à préparer. Celles qui me suivent sur Snap et TikTok savent que je vais aller au bled avec Nana, normalement. À tout moment, je change d'avis. Et j'y vais sans le mioche, mais je pense que je vais la ramener quand même, mon petit cœur. Je suis censée partir dans genre 10 jours et j'ai genre rien préparé. Dit comme ça, ça sonne un peu effrayant. Oh oh. Bref. J'ai toujours pas pris mes billets. Bref. Semaine un peu de préparation du voyage, boulot, création de contenu. Ce week-end, il y a Cheryl qui vient, ma petite babe, à Lyon. Aujourd'hui au programme, là je vais me coiffer, tout à l'heure j'ai une interview où je serai l'intervieweuse. Les gars, il y a le concept Va au brunch à Lyon qui m'a contacté pour faire partie du projet, qui est un projet hyper sympa, hyper intéressant. Donc évidemment j'ai accepté et tout à l'heure je vais aller interviewer l'un des DJ de Va au brunch. Je vous explique rapidement le concept. C'est un event où le dimanche, vous allez pouvoir bruncher, écouter de la musique, faire des karaokés, chiller, profiter de plein d'ateliers qu'il y aura dans l'espace justement où a lieu l'événement. Et c'est grave un concept chill. Il y a plein de trucs comme ça à Londres, mais ici, il n'y en a pas. Et je suis grave contente qu'il y ait des gens qui fassent ce genre de concept à Lyon, donc of course. Je lui ai dit que j'étais grave chaude de faire partie du projet. Tout à l'heure, interview, mais mort de rire. J'ai jamais interviewé quelqu'un, frère. Ça va être grave drôle. Je pense que ça va bien se passer. Il faut juste que je me fasse une petite mise en beauté. Parce que croyez-le ou non, je n'aime pas être filmée dans une autre caméra que la mienne. En fin de compte, c'est tout simple. La raison est très simple, c'est que moi, quand je me filme, je vais inverser l'image pour me voir comme quand je me vois dans le miroir. Alors que dans la caméra des autres, je ne serais pas inversée. Du coup, j'aurais l'impression d'avoir la gueule toute travers et ça me débecte. Et c'est pour ça que quand je vous montre des trucs et tout, la plupart du temps, c'est inversé. Genre, vous allez voir les écritures à l'envers parce que j'inverse, quoi. Et donc, ouais, c'est ça ma seule préoccupation. Va falloir que je me coiffe. Je voulais faire une coiffure grave stylish à la Justin Sky, mais je garde ça pour une autre fois. Je vais en faire un réel dans la semaine, petite mise en beauté. Elle a fait tout simple, elle a fait un chignon bas comme ça avec le petit baby hair comme ça, c'était trop frais. Mais je ferai ça un autre jour dans la semaine. Là je vais coiffer mes cheveux cracra devant Vampire Diaries. On va se faire un petit ponytail bas haut, je sais pas. Je pense que je vais faire middle. Non, je pense que je vais le faire ici. Ou bas, ou haut. Je sais pas, on va voir. En tout cas, on se coiffe. Des copains de Mystic Falls se trouvent marrants, des bonnes. Tu me connais pas. Caroline, il a trop peur qu'on se serve du remède contre lui pour le rendre mortel et de... Coucou, j'ai fini de me tresser. Je l'ai fait en vite fait ma tresse alors que quand j'étais à Paris, je mettais 4 heures à la faire. C'est très grave. Là, je l'ai fait d'un coup en 2-2. J'ai mis ça pour bien aplatir parce qu'en haut, c'est souvent plus gonflé. Mais je l'ai bien réussi. Pretty. Ta-da.
That's pretty. C'est dommage, mes cheveux ils sont pas lisses, du coup ça fait un peu gonfler ici. Mais tant pis. Les gars, je suis trop fière de moi. J'ai vidé ma valise. J'ai mis les trucs dans la machine. Genre, l'appart est propre. Je suis très fière de moi. En fin de compte, vraiment, vlogger, les weekly vlogs, ça m'apporte une certaine rigueur, discipline, tu vois. Ça me force à me ménager. Donc là, je vais continuer à ranger ma chambre, mes affaires, remettre un peu d'ordre parce que là, il y en a partout. Et il y a Sam qui arrive avec Bibou. Du coup, c'est cool, il est parti la chercher à l'école. Ils vont récupérer 2-3 affaires. Et Nana, elle va dormir chez lui aujourd'hui. Parce que l'interview, c'est tard. C'est à 8h ce soir. Je vais devoir y aller en taxi car je n'ai toujours pas ma voiture. Mais c'est en cours, les gars. C'est en cours. C'est en cours, là. Aller chez le garagiste et normalement, d'ici vendredi, c'est OK. Et j'espère, parce qu'il y a Cheryl qui est là. Et flemme de prendre des Uber ou les transports ou je ne sais quoi. C'est en cours. Oui, bon. Ça va pas. Qu'est-ce qui te prend? Ça fait pas des... Salut. Ça va la femme? Ça va, femme, ça va. Ouais. The mioche is gone and... moi, je vais continuer mon petit rangement. On se retrouve tout à l'heure pour un petit make-up vite fait. Faut que je fasse un make-up pour les caméras. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez voir de quoi je parle. Re-coucou les choux. C'est parti, on va se maquiller. Là, j'ai fait ma petite coupe. Mon petit ponytail. Avec mes petits baby hair. J'aime trop faire les petits baby hair comme ça. En mode, mes cheveux, ils sont trop lisses. Ils sortent de ma de mon ponytail en mode bouclette. Mais pas du tout. Là, c'est parti pour le make-up. Je vous montre comment je me maquille très simplement et efficacement. Nous allons commencer par ce petit roll-on aux yeux. Ma peau est déjà hydratée. Là, c'est un roll-on milk. Rafraîchissant et raffermissant. Base lissante, Dr. Jart. Oups, j'en ai mis beaucoup là, je crois. Fond de teint, le best skin ever en rêve 57Y. Que j'applique avec mon petit pinceau Sephora. Je fais attention à bien l'appliquer étant donné que on va me filmer sous tous les angles. Anti-cerne. L'Oréal Infaillible, là c'est la ref miel 338. Je vais faire mes sourcils en attendant qu'ils sèchent un peu avec le Anastasia Beverly Hills. Donc celui-là, c'est pas la pointe toute fine. Celui à la pointe toute fine, je l'ai testé, j'ai pas kiffé. Je préfère celui-là. Gel à sourcils, toujours Anastasia Beverly Hills. Je m'assure d'avoir aucune démarcation. Bronzer, toujours le même. Accord parfait, ref ébène. Pour plus de lumière, l'anticerne plus clair. À ce niveau-là, ici, un rouge à lèvres en guise de blush. J'adore le blush rosé. J'en ai... Ouh, celui-là, il m'a l'air super giga génial. Je vais tapoter l'anticerne et le blush ensemble. Le blush n'a pas tenu. Je veux un vrai rose bonbon. J'ai ce rouge à lèvres L'Oréal. C'est un joli rose, c'est un joli rose. Je vais garder celui-là. Je vais laisser comme ça pour l'instant et je rajouterai mon blush poudre rose plus tard. Poudre Huda Beauty Rêve Blondie. On va réchauffer le teint, toujours avec mes ombres à paupières. Je fais un petit mix de marron un peu foncé, un peu chaud. Plus haut, je vais mettre ça.
sur les yeux pour réchauffer. Gloss. Je suis à 30 minutes à peu près, un peu moins. Ok. Donc dans 10 minutes, je bouge de la maison, le temps de m'habiller, mettre mes petits accessoires, me parfumer et c'est parti les chouchous pour interviewer DJ dans Martinez. En ouais, il est choupinouch. Je me suis habillée normale, hein, en mode drip drip, il n'y a pas de femme mûre là. C'est parti de toute façon, on verra que mon bus normalement et j'aurai le pull Bao Brunch. So, let's go! Les gars, j'ai rejoint l'équipe là, à l'endroit de l'événement. Là, c'est parti. Je crois qu'on passe au boulot. Let's go. Je me lance dans la ASMR, 4K. Les gars. Non, enlève le 4K. Ou alors HDK. Non, enlève le. Il veut pas. HD comme ouais, ça. HD, c'est plus simple parce qu'en fait, ça fait lourd. Ça... Tu mets la lune la dernière fois. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein ouais, là. Ah, c'est maintenant que tu mets le vlog. Tout à l'heure. Je suis au boulot. Je suis au boulot là. J'aurais pas apprécié. Pensé. Les gars, on a fini de tourner. On va faire des bêtises parce qu'on a kiffé l'ASMR. Du coup, on va se lancer. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas de casque. Ça marche là? Oh non, c'est pas branché. Avec mon gros front là. Il y a beaucoup de techniques de démaquillage possibles. J'aime beaucoup celle avec l'eau micellaire et ces lingettes là, vraiment ça nettoie super bien. Comment on appelle ça? On va appeler ça une mini serviette. Ça nettoie super bien, mais après il faut la laver la mini serviette, il faut la rincer et tout. Ça me donne la flemme. Donc vraiment, ce qu'il y aura toujours de mieux, c'est toujours coton, eau micellaire, Nivea et des make-up. Attends, on va enlever cette beauté comme ça là. Cette beauté, j'abuse, c'est mon même make-up que je fais tout le temps, mais c'était joli. C'était joli. La dernière fois, j'ai vu un TikTok qui disait: les mecs ne peuvent pas comprendre qu'on se préfère démaquiller que pas maquiller. Et c'est trop réel, genre, quand tu passes de maquiller à démaquiller, tu kiffes un peu ta tête en mode « Ouh, back to natural !» Alors que des fois, quand t'es pas maquillée, tu te trouves chum, genre. Passons à la night routine. Ma peau n'est pas dégueu, mais elle pourrait être mieux. Je la trouve quand même assez... Elle manque d'homogénéité. Et j'ai pas mal de mini boutons, donc je sais pas c'est quoi. Je sais pas quand c'est dû. Je sais pas. Mais bref, night routine. Sérum clarifying. Un type imperfection de Sephora. Et j'ai repris l'Egyptian Magic. Focus, wesh. Ma gueule. Gros. Tu veux pas? Qu'est-ce qu'il a? Wesh, il voulait pas focus le bail. J'ai repris l'Egyptian Magic. Car c'est quand même ma crème chouchou de tous les temps. Je l'avais arrêté parce que j'avais fait une réaction à un produit lequel je ne sais toujours pas. Je ne saurais toujours pas. Mais ça peut pas être... Ça peut pas être ça. Ça pouvait pas être ça. Et bien sûr, pour terminer, le baume à lèvres, la neige, masque de nuit, j'adore. Tu mets ça avant de te coucher, tu te réveilles, tes lèvres elles sont encore hydratées, frère. Je sais pas comment c'est possible. Bonjour le vlog. Je me suis réveillée vers 9h30. Depuis 9h30, je suis dans mon lit. Je bosse depuis mon lit.
les avantages de ce métier. Je suis en mode mail et compagnie. Et là, Samy m'a dit qu'il arrive avec Naya dans 20 minutes, donc je suis sortie de mon lit, j'ai passé un coup d'aspi et je vais faire mon lit pour que la queen arrive dans un environnement sain et rangé. Je sais pas si c'est moi qui a né Naya ou si c'est Naya qui m'a né en fait. Est-ce que c'est Naya qui m'a né? Je sais pas. J'ai passé la commande Shein à ma sœur, commande à 500€. D'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis plus... Je suis plus en mode Shein. Avant, j'aimais trop passer des commandes de fou malade sur Shein. Bah, il y en a beaucoup qui ont commencé à me suivre pour ça. Genre, c'était vraiment mon truc, les big try on all Shein. Mais je suis plus dedans. De temps en temps, je vais passer des commandes, par exemple, quand je pars en vacances et tout. Là, j'ai pris 2-3 trucs. Est-ce que je peux vous montrer? J'ai pris vraiment 2-3 trucs. Mais... pour la vie quotidienne, je m'habille plus sur Shein parce que, avec beaucoup de temps, j'ai commencé à remarquer qu'en vrai, les vêtements que tu achètes sur Shein, 90%, 6 mois après, les vêtements, soit tu les as têchés, soit tu les as plus, soit tu les as donnés, soit tu les as vendus parce que. Ou soit tu les mets plus du tout parce que c'est pas une qualité qui dure. Et comment dire? Je sais pas comment vous dire. Mais genre, si je regarde mes commandes des vêtements que j'ai achetés genre il y a 6 mois ou il y a 1 an avec Shein, il doit me rester un ou deux articles sur des commandes de 40 articles. Maintenant, j'ai mûri et je préfère 1000 fois acheter sur un site beaucoup plus quali, genre Nike, Zara et tout, que sur Shein. Qui l'eût cru? Ah, j'ai grave mal aux dents. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté là vite fait. Petite robe bustier noire pour quand je vais au resto. Robe blazer. Pareil pour quand je vais au resto et tout. Jeep. Il y a mon bébé. Coucou. Tu te calmes, petite puce. Est-ce que c'est comme ça? Vous avez pas mis de la crème sur le visage, t'as la peau toute sèche. Quelle couleur tu veux d'autre? Ah oui. Vas-y. The baby is back at home. Back at home. I don't know. Oui, du coup, sur Shein, j'ai pris des trucs aussi pour Bibou. Bibou, tu veux que je te montre qu'est-ce que je t'ai acheté pour le Cap Vert? Oui, oui, je veux bien. Bah, finis ce que t'as à faire après. Je te... Voilà, j'ai déjà fini de décider. Super. Du coup, tu vas le ranger dans ta boîte? Oui. Ok. Pour moi, j'ai pris aussi une petite robe façon comme ça pour faire la. Jouer les Kim Kha. Un legging comme ça. Voilà, à mettre sous un blazer avec une paire de talons. J'ai pris une petite robe à paillettes comme ça. Je peux maquiller mes poupées? Non, bébé, pas les poupées. J'ai pris ça aussi comme maillot de bain, les gars. Ounyamoy, pose ta Kim. Moi, j'ai senti que ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Bah parce que je savais pas. Mais toi tu comprends le Cap-Verdien ou quoi? Bah je sais pas. J'ai dit quoi? J'ai dit Ounyama et Kouza Takem. Ça veut dire Ounyamaï. Et ça veut dire quoi? Je sais pas. Bah pourquoi tu m'as répondu? Je sais pas. Des fois je dis des trucs en caps, Nana elle va me répondre. Et après je lui demande si elle a compris, elle sait pas traduire genre. Mais on dirait que tu comprends un peu le Cap-Verdien, ma belle. Ouais. Bref, I can't wait to me coiffer et aller au bed. Je vais prendre nos billets pour le Cap-Vert, mais bon. J'ai cramé le livre.
Les poulettes, j'ai passé 2 heures à chercher des vols. J'ai enfin pris mon billet. Mon billet. Parce que du coup, là, j'ai pas pu prendre le billet à Nana. Les billets, ils sont beaucoup trop chers. Quand j'ai regardé, c'était 400 €. Là, les billets, c'était bah, moi toute seule, j'ai payé 800 €. Et c'est mort, je peux pas mettre 2 fois 800 € dans des billets là. Sachant que j'ai même pas encore ralas ma voiture. Donc ça sera le bled toute seule pour l'instant. Sam il va essayer de trouver des sous pour lui prendre le billet. Et moi si d'ici là j'ai mes paiements en attente qui tombent, je vais essayer de lui prendre pour qu'elle vienne. Parce qu'elle m'a fait trop de la peine au début. Je lui ai dit ouais et tout, j'ai pas pu te prendre le billet, c'est trop cher. Elle a dit ok et tout, bon dommage et tout. Mais après là, ça m'a fait trop mal au cœur. Du coup si je peux en cours de route j'ai des tales, je lui prends le billet, elle vient avec moi, sinon ce sera moi toute seule au Bledos. Bon le vlog, je me suis douchée habillée, là on va sortir vite fait faire quelques petites courses. Attends, tu passes manger cette fillette, mon bébé il est tout sale, il est tout mouillé. Naya, est-ce que tu sais que c'est un jouet qui fonctionne avec des piles et si tu mouilles des piles tu les abîmes et elles marchent plus? Maintenant, tu poses ce bébé ici, tu ne le touches pas et tu vas mettre tes chaussures. Non, mais je voulais prendre lui pour aller. Tu vas rien prendre du tout, t'as vu comme il est mouillé? Va mettre tes chaussures. Mais je veux prendre un jouet. Tu vas mettre tes chaussures. Mais je voulais prendre un jouet. Il y a une phase aux 4 ans et demi. Du coup, je disais, on va aller faire quelques courses et normalement, on devait aller manger une crêpe. Mais si ça continue à cette allure, on va rien manger du tout dehors. Stay tuned. Stay tuned. Est-ce que tu penses qu'on a fait des bonnes courses? Oui. On va pouvoir faire un petit apéro. Mais surtout, on a oublié le colis. On a oublié le colis. Je devais récupérer un colis, j'ai oublié. On se lave les mains. On se lave les mains. Mais d'abord, on enlève les chaussures. Mais d'abord, on enlève les chaussures. Ça, c'est ma musique que j'ai inventée. Elle est belle ou elle est pas belle? Elle est belle. Si on mettait un peu de musique, tiens. Ah, mais c'est l'heure. Attends, il est 19h. C'est l'heure de manger. T'as pas fait ta douche. Ça va pas du tout, là. Enlève tes vêtements, on va faire ma douche le temps que je fais à manger. Mais moi, je veux dire coucou le vlog. Tu veux dire coucou le vlog? Viens. Viens dire coucou le vlog. Coucou le vlog. Ça va? Alors, tu vas dire qu'est-ce qu'on a acheté là? Qu'est-ce qu'on a? On a des médicaments pour maman. Parce que j'ai mal aux dents depuis mon détartrage. Ensuite, on a acheté 2 saucisses. Pour faire un petit rougail saucisse express. On a acheté du pain. Pour faire l'apéro. On a acheté du sac poubelle. Parce qu'on n'en a plus. On a acheté du fromage. Saint-Marcelin pour l'apéro. On a acheté un autre fromage. Du comté parce que c'est toujours trop bon. On a acheté des pâtes. Parce que c'est rapide à préparer. On a acheté des peaches. Parce que Naya adore les peaches. On a acheté. Tu peux m'aider, maman? Oh là, c'est lourd. On a des capuchons. Parce que Nana, elle adore. On a acheté des pommes de terre. Parce qu'on est pauvre et qu'avec ça, on peut faire plein de repas. On a fait du saucisson. Pour l'apéro. Attends, j'ai pas de fromage. C'est quoi déjà? La crème fraîche. On a acheté de la crème fraîche. Pour faire des super gratins. On a plus d'un saucisson. Attends,
nous avons des kiwis, des tomates. Des tomates. Pour le rougail. On a des concombres. Ça, c'est des prunes. Et un brocoli. Des brocolis. Attends. On a acheté des kiwis. Des kiwis. Des concombres. Un concombre. Et des trucs avec quoi on fait des soupes. Des trucs avec quoi on fait des soupes. Des légumes. C'est bon, voilà, ta danse coco. Et toi, fais voir ta danse si elle est mieux. Vas-y, battle, go. Il fait pas beau. Bonjour. Il ne fait pas beau du tout. Du coup, ça m'a déchauffé à sortir. Mais après, j'ai vu quelqu'un poster des sacs de shopping. Et après, du coup, ça m'a réchauffé à sortir. Trop choupinote. La flemme. Il fait pas beau, il pleut. Ouais, je me tâtais à sortir ou non parce qu'il fait pas beau. Mais en vrai, Cheryl, elle arrive demain matin, je crois. Donc en fait, faut que j'aille faire des petites emplettes. Faut que j'aille faire des petites emplettes. J'ai grave la flemme, Seigneur. Pour changer. Faut que j'appelle ma mère pour qu'elle vienne dormir avec nous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue. Si j'étais une semaine à Paris. Bon dia. Bon dia. Bon qui mange. Ouais. Les gars, j'ai le cul à l'air. J'étais à deux doigts de me recoucher. Je suis grave d'humeur à m'écouter en ce moment. Je m'écoute trop. Elle me fout la rage, cette gosse. Je vais archi pas jeter son petit déj qu'elle a pas fini. Là, elle va manger ça tout à l'heure. Sale gosse. Je disais, je suis grave d'humeur à m'écouter et à commencer mes journées tranquilles, genre vraiment trop tranquille. Là, je suis à deux doigts d'aller me refoutre au lit. Purée, mais regardez, il m'appelle. Ah, c'est tellement plus simple de céder. Là-dedans quand je rigole. I'm ready. I'm super cute. En toute humilité, je suis super mignonne. En fin de compte, vraiment, le make-up soft comme ça, c'est ce qui me va le mieux. Like, really. Ça fait tellement clean, tellement... Ah, j'adore. Ouh, du coup, bah, je me suis motivée, les gars. Tranquillou bilou. Motivée, ça va. J'ai pas trop glandé. Je me suis get ready. Je vais faire filmer un petit outfit. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit outfit sur IG. Et après, je flex centre de flux. Prendre le bus. Coucou les copains, j'ai fini de filmer mon outfit of the day. J'aime bien mon outfit très simple, très efficace, comme toujours. Si j'étais une meuf qui me la pète, je mettrais mes lunettes de soleil. Mais je suis pas une meuf qui me la pète. Une meuf timide. Après, je pourrais les mettre pour le style. Mais ça fait la meuf qui se la pète de ouf. Est-ce que j'essaye de faire la meuf qui se la pète de ouf aujourd'hui? J'ai mal. Bref. J'aime bien mon petit outfit. Je vais voir si je fais le montage vite fait avant de partir. Il est quelle heure? Je pourrais poster à midi, genre. Ouais, je vais faire ça.
Je vais faire le montage de Montréal juste avant de partir et après, on flex. Je suis arrivée à Pardieu, on va commencer le shopping par Stradivarius parce que à Paris il y avait pas mal de trucs et il y a pas mal de trucs en général à Stradivarius, donc go chez Stradivarius, ensuite chez Zara, ensuite Pull&Bear, je fais les magasins principaux dans lesquels j'ai l'habitude d'aller et après on achètera notre petite bricole. J'ai rien trouvé de ce que je cherchais, direction Zara. Rien du tout chez Zara non plus, direction Pull&Bear et après bah, je suis à court d'idées. On va quand même regarder chez Primark, on sait jamais. Il y a H&M, mais je perds espoir là. Je perds espoir. Les gars, j'ai trouvé un pantalon simili-cuir et un top chez Pull&Bear. C'est clairement pas ce que je voulais mettre pour ce week-end, mais je suis une ouf, j'avais oublié qu'il y avait ça, il y avait Bershka, donc direction Bershka, et c'est sûr que je vais trouver quelque chose pour ma soirée de samedi. En plus il a grave changé, j'étais pas revenue depuis qu'ils l'ont agrandi. C'est coloré, les gars, j'ai trouvé ça, deux robes, ça c'est pas du tout pour la soirée de samedi, ça à voir, ça dépend de comment ça m'ira, avec une petite paire d'escarpins argentés, très belle. On va essayer. Je le savais, les filles. Je le savais. Regardez. Je le savais. Je savais qu'elle m'irait trop bien. Waouh. Incroyable. C'est sûr, je la prends. Incroyable. La deuxième aussi est trop trop belle. Je sais pas à quelle occasion je la mettrai, mais je la mettrai, c'est sûr et certain. C'est trop beau. C'est matière très confort, très cosy. J'aime trop. Très chic. Bon bah les gars, j'ai une tenue sur deux. C'est bof bof. Ah mais elle, c'est celle qui était à l'entrée. Et... je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elle me va mieux qu'au mannequin. Là je suis devant chez Kiko, il y a une abonnée qui m'a parlé d'un blush qui est pas mal apparemment. Je vais aller le chercher. Il y a un petit magasin de coquinou ici. J'y reviendrai un jour. Je suis allée chez Kiko du coup chercher le blush, mais il est plus dispo dans la teinte. Donc je fais un petit tour chez H&M, ensuite Primark, et après je vais aller manger. Les seules et uniques culottes que je mets every fucking day, celle-ci. Je les mets pas que quand je dors. Et je les prends en XS, comme ça, ça fait bien l'effet stretch. Les gars, du coup, avec Cyrine, on est en train de faire du shopping. Miskine, je sais, je lui dis, je sais pas pourquoi je prends ça, frère.
Il n'y a que moi et mon miroir, on va aller voir. C'est pas comme si tu avais un petit compte Only F. Tu sais qu'on me contacte grave hein, pour que sur Insta. On me démarche pour que j'aille là-bas. Ah bon? Ouais. Et bref, du coup, shopping un petit peu. J'ai fait mes achats pour la soirée Girls de demain soir et j'ai pas ma venue. Coucou la vlog. Mais ça qu'ils étaient tellement lourds, vous vous rendez pas compte. J'ai mal à l'épaule. Ça m'arrive souvent ça quand je vais en ville. Je suis épuisée, bah du coup j'ai pas mangé encore aujourd'hui. C'était quoi mon dernier repas? Hier, le plateau dînatoire. Je suis mort. Il y a ma mère qui va arriver. Il faut que j'aille chercher Bibou. Je suis mort. Je suis mort. Je suis KO. J'ai plus d'énergie là. I'm gonna fall in the pond. Ça allait retomber dans les pommes. Je trouvais pas mal de trucs. J'ai pas trouvé deux tenues pour la soirée chata, mais je crée avec ce que j'ai à la maison. Bonne soirée. Je sais pas si elle est arrivée. C'est ce qu'on va voir. Toc toc toc. Oh, t'as entendu quelque chose? Est-ce que t'as entendu quelque chose? Moi, j'ai pas entendu. Oh, elle est pas encore là. Je vais pouvoir te montrer tout ce que j'ai acheté. Pourquoi tu rigoles? Mais c'est quoi là? Tu veux que je te montre maintenant tout ce que j'ai pris? Non, mais j'ai envie de voir de la surprise. Un instant, jeune fille. Un instant. Ça. Ça, c'est pour toi. Mais c'est pas ça la surprise. Mais ça, c'est pour que tu le mettes sur ta tête pendant notre soirée pyjama. C'est mignon. Mais oui. C'est un peu ça, ma couleur préférée. Et je t'ai aussi pris, regarde. Mais c'est un malo et du vernige. Pas de patrouille. C'est pour la soirée fille. C'est une surprise. Non, ça, c'est des surprises, mais c'est pas de ça que je parlais. Regarde ce que j'ai pris. Ça, tu sais les masques que maman, elle met sur le visage? Oui. Eh ben, je t'en ai pris un, comme ça, tu le feras avec nous aussi demain. C'est beau. Ouais. Ça, c'est des chamallows. Ça, c'est des chamallows pour qu'on grignote. Je t'ai racheté du dentifrice. Il pique? Bah, j'espère pas. C'est ça. Bon, ça, c'est plein de trucs à grignoter pour demain. Ouais. Mais la surprise... Attends, je vais te la montrer. C'est du slime le magique. C'est comme du slime mais c'est du sable, regarde. Sortir la petite table. Ça fait, c'est rigolo. C'est du sable. Unboxing, un petit chou. Hein. Mon petit chou, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de choses mine de rien. Bébé, je t'ai acheté une écharpe aussi. Elle s'en fout, je pense. Je t'ai acheté une écharpe, mon cœur. C'est quoi? Regarde. Oh, elle est belle. Ouais. Attends, viens voir. Je vais faire un truc, c'est trop beau. Attends, Bibo. Alors, j'ai acheté chez Pull&Bear ce petit top pailleté à mettre avec un pantalon, une jupe, tout ce que tu veux. Très joli. Contre unboxing. Tu veux qu'on montre toutes les confiseries qu'on a achetées d'abord? Oui. Ok, allez. On ça, a. Ça, on a grignoté Saint-Malo. On ça, a c'est pour Saint-Malo. Naya, c'est pour Naya, c'est un masque de tigre. Attends, je vais montrer ce que c'est. Alors, on a un masque de tigre pour Naya. Naya, parce que ça va être en mode skincare. Ça, c'est du vernis pour du Naya. Du vernis, pas de patrouille pour Naya. Pour Naya. Un petit truc comme ça pour Naya. Un petit bandeau pour Naya pendant qu'elle fait sa skincare. Voilà. Ça, c'est des bandes de cire. Car il s'agira de s'épiler. Des popcorn. Avant le week-end. Des popcorn. On a pris à grignoter des petits popcorn. Des Kinder Bueno. Des chocobos. Des chocobos. Tu t'y connais bien en chocolat, toi?
Vas-y, montre. Prends-en que deux. Fais attention, ne les fais pas tomber, c'est gazeux. Après, ça va exploser. Du quoi? Du soda. Oui, du soda. J'ai pris des petites... Attends, fais voir bébé, la deuxième. Fais voir. J'ai pris ça en mode esthétique parce que c'était joli. Et ça aussi, comme soda. Une planète. Pour nous. Ça, c'est du aussi... Du chocolat. Pour s'épiler la stache. Du chocolat. Du chocolat. Encore plus du chocolat. Encore du chocolat. Et du... C'est quoi? Ça, c'est du masque. Enfin, une crème pour les cheveux. Parce qu'on en a plus. C'est tout. C'est tout. Tu peux parler maintenant? Oui. Ok, merci. Du coup, j'ai aussi pris des masques sérum visage. Parce que le thème, en fait, c'est soirée pyjama girly. Tu connais? Avec Tata Cheryl. Skincare, food et tout. Avec Tata Cheryl et Raïssa. Tu te rappelles de Raïssa, oui, avec qui on était à Paris? Oui. Donc, j'ai pris des masques visage. J'ai pris des masques lèvres. J'ai jamais fait de masque lèvres. J'espère que c'est un bon truc. Au collagène. Et j'ai pris des masques pour les yeux. Donc, vous avez capté le thème. Je vais faire une petite table avec les confiseries, les masques... Je pense qu'on va faire vernis et tout, on va se faire les ongles. Ensuite, il faudra juste que j'achète de la bouffe et de quoi faire des petits cocktails. Au début, je voulais prendre du wine. Et je pense qu'on va faire des petits cocktails mignons. Ce sera plus esthétique. Je reviens donc sur mon unboxing vêtements. J'ai ce petit basic top blanc avec les petits détails strass. Comme ça, ça change du basic basic. J'ai pris un pantalon, je ne l'ai même pas essayé, j'avais trop la flemme d'essayer des trucs, j'en avais marre. Celui-là, j'en ai essayé un chez Stradivarius, il ne m'allait pas. J'en ai pris un chez Pull & Bear. Je vais l'essayer tout de même parce que Pull & Bear, ça taille petit. C'est pas taillé pour les gens en forme, frère. Le pantalon, il me va mieux que celui de chez Stradivarius. Après, il y a toujours les plis devant, mais avec ces matières-là, difficile de faire autrement. On est comme ça. Et la longueur, par contre, c'est pile poil. Oh, du coup, oh là après, là, j'ai pris cette robe qui m'allait super méga bien. Faut que je vois avec quelles chaussures je vais la mettre. Avec des chaussures blanches, sans moi. La robe blanche, trop belle. Elle est trop belle. J'ai hâte de la mettre. Et ensuite, j'ai pris plein de sous-vêtements chez Primark. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis emballée. J'achète jamais de sous-vêtements. Mais en fait, depuis que j'ai collab avec Lounge... Je suis fan des sous-vêtements. Je trouve ça trop beau. Maman, c'est trop chic d'avoir des beaux sous-vêtements. Maman, regarde, c'est beau. Donc, j'ai acheté ces petits ensembles trop choupis. Le bleu et le rose. J'aime trop. Moi, j'aime que les soutiens-gorge comme ça. J'aime pas les soutiens-gorge avec des trucs dessus. Genre, j'aime que les soutiens-gorge balconnés comme ça. Ça peut être dans une autre matière ou quoi, mais cette forme-là est sans rembourrage ou pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien, ça ne sert à rien de forcer. La culotte, c'est pas... Je ne peux pas mettre de culotte comme ça et être sexy, genre. Il y aura toute ma bidoche que j'aime pas dehors. Mais c'était un petit ensemble mignon. J'ai pris deux sets de ces culottes, mes culottes préférées de la terre entière. Et un petit ensemble... de maison, underwear, très joli, je trouve que c'est très joli, j'ai jamais eu de sous-vêtements verts comme ça, il est trop beau ce vert, et c'est tout, et c'est déjà bien assez, j'ai pas ma tenue pour la soirée, je vais en trouver une, parce que en soi je pourrais mettre ma robe pour la soirée, mais c'est trop chicos, ça fera trop la meuf, j'ai envie d'un truc un peu plus... You know what I mean. Donc je vais me trouver autre chose dans ce que j'ai en stock. Hein. Qui est-ce que j'entends? Ma maman m'a fait des sables magiques. Sables magiques. Sables magiques. Oui. Il sort du propre il y a pas longtemps, mais il a perdu toute sa couleur. Et ça a fait clic. Mmh. Ma
Amina nous a rapporté un petit mets gourmand. Coucou le log. On doit ranger la maison. Ranger la maison, nettoyer, aller faire des courses. C'est tout ce qu'on a à faire ce matin. C'est pas urgent. Ça va bien se passer. Il n'y a pas le feu au lac. Chérie, là, elle arrive à... Eh, Seigneur, j'ai une vidéo à tourner, wesh. Je la tournerai cet après-midi. D'abord, j'irai faire les courses. Les gars, ça fait 2 heures que je fais le ménage. Cheryl, elle va pas tarder, je pense. Elle m'a dit qu'elle arrive à 11h. Il est 11h30. Et moi, je devais envoyer ma sélection bouhou avant midi. Donc, je suis super en retard. Je vais jamais réussir à faire 58 en 30 minutes. Je veux bien, mais ça me paraît compliqué. De toute façon, il me manque plus qu'à nettoyer mon sol. Donc, je vais faire ma sélection bouhou. Et je finirai de nettoyer mon sol tout à l'heure. Le garagiste qui m'appelle. Allô ? Oui, ça va ? Oui, Guy, ça va ? Ça va, ça va. Hier, j'ai eu un petit problème là sur la voiture, mais aujourd'hui, j'ai réussi à le réparer. Oui, la voiture de retour. Bonjour. Coucou, bonjour. Bonjour. Mais genre, en mode Vampire Diaries, elle rentre pas si je l'invite pas. Ça va, Mouchou? Elle est trop mimi, elle a enlevé ses chaussures, c'était vraiment pas nécessaire. Comment ça va, Mouchou? Attends, je pose ma caméra pour te faire... Je pue. Ça va? Je me suis pas douchée. Bah non. C'est n'importe quoi, c'est le rush. Pas du tout. Coucou le blague. Merci. Non mais, vous voyez les gens qui ont l'habitude. D'habitude, je dois les forcer à dire bonjour le blague. Regardez, elle sait. Tu m'étonnes. De toute façon, aujourd'hui, on est chill. T'as dit quoi ? Je me suis couchée tellement tard hier. Mais toi, tu te couches tout le temps tard, en fait. Oui, non, mais de ouf. Mais c'est coucou, Lynn. Bienvenue à la maison. Bienvenue, welcome home. J'aime trop. Bon, j'aime bien ton vlog, en vrai, mais... Oui, c'est vrai. Ça va, c'était pas trop long, le train ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu... Oh, j'ai mal. Oh. Et encore, je voulais pas prendre ça de base, mais c'est ce que j'aime bien. C'est pas moi, les gars, vous êtes témoins. Ça moi, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ben, les loulous, que le week-end commence, hein. Chérie, il est dans la place, ma voiture est réparée, mais... Que dire de plus, en fait. Ça va péter. Que le week-end commence. Le programme, du coup, c'est ce soir, cet après-midi, tranquille. Ouais. À part si tu veux qu'on bouge un peu. J'avoue, je suis allée en K.O. Ouais, repos. Ouais, je suis fatiguée. Après, si c'est, j'avoue que bah, je veux bien faire un petit tour, mais il y a quoi à faire? Il y a la part dure, on pourrait aller en ville comme ça, tu vois, et tout. En plus, ouais. Ça va me ramener la voiture. Franchement, comme tu veux. Moi, je m'en fiche, c'est comme tu veux. Ok, vas-y. Le petit calendrier faire. Pour bébé Nana. Et un truc de chippie. Pff, ma fille, la chippie. 0 minute. Faut que je vide ma carte mémoire. Bref, Cheryl, elle est au salon, elle fait son montage. Moi, je vais bosser aussi. J'ai les rouges à lèvres Yves Saint Laurent à filmer. Je vais faire un petit Reels et un TikTok aussi. Et c'est tout. Coucou les gens du futur. Ouh. C'est qui que je t'aime aussi. J'aime bien. J'aime bien. Vous l'aurez déjà vu, en fait c'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit les gens du futur, c'est que je fais trop la meuf. Je vous raconte ce que je vais faire, mais en fait vous l'avez déjà vu, parce que vous me suivez sur Instagram, donc vous avez vu que je vais faire un petit réel chicos en mode pour les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Donc Cheryl, elle bosse au salon,
Moi, je bosse, je filme mon contenu dans ma chambre comme d'habitude. Et tout à l'heure, on va récupérer Nana et aller prendre un goûter à Pardieu où je vais sûrement rejoindre Laura qui a besoin d'aide pour faire sa sélection Huda Beauty pour acheter son maquillage. Et donc là, j'étais en train de me make-uper. J'aime bien comment je me maquille en ce moment. J'ai enfin compris que ce qui était le mieux sur moi, c'est le soft. Et là, je trouve que je gère plutôt bien mon teint en ce moment. Pourquoi je suis en train de mettre du rouge à lèvres alors que je dois filmer des rouges à lèvres? Purée de pommes de terre. Là, c'est des petites perles pour te maquiller. Oh, à coller sur le visage? Ouais. Trop beau. T'aimes bien? Oui. C'est quoi le tube alors, Bibon? Regarde bien. Quelque chose qu'on met sur les lèvres. De la vélo. Non, c'est du gloss pour faire briller les lèvres. Ça. Oh, Cheryl, t'es dans cette fameuse phase où c'est les gosses qui t'apprennent à jouer ça, avec exemple, les jouets. Mais ça, c'est quel animal, ça? C'est une souris? Non, c'est du, ouais, c'est du truc inventé. C'est un escargot. Maman, tu peux aller me sortir le sable magique, s'il te plaît? Ok, mais on va pas le faire maintenant, tu vas juste lui montrer, ok? Mais c'est trop stylé. Et tu fais comme ça pour appuyer, si tu veux. Voilà. Bravo. Bravo, Cheryl. Viens regarder ce que ton enfant fait. Oh, j'hallucine. Guys, on a récupéré Bibou. Du coup, la direction, la part du... Est-ce que je vous ai dit qu'on a récupéré la voiture? Je vous ai dit que le garagiste appelait. Mais je vous ai pas dit qu'on allait récupérer la voiture. Là, ça y est, c'est fait. 700 balles à lâcher maintenant. Faut ralasse. Faut ralasse, ralasse, ralasse. Ouais, oh, ouais, m'a trop manqué ma voiture. Viens Bibou, je te mets la veste. Tu veux tout mettre dedans? Attends, je m'en occupe, t'inquiète. Je vais essayer de le mettre pour toi. Elle essaye de mettre son gloss dans le sac. Ouais. Super. Oui, déjà. Tu fais mal à ta chitine. Attends, faut que je règle mes rétros du coup. Ok. Oh, non, my god. Je comprends la sensation, en vrai, tu revis. Des filles out, ma gueule. C'est quoi ça? Tu penses qu'il aurait... Il a pensé mon essence ou je rêve? Voilà, il a pensé mon essence. Oh. Rendre une voiture en réserve, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va mettre de l'essence du coup et après c'est parti. Allez. On fait quelques emplettes là, on est à Carrefour, on est chez Carrefour. Elle aime les caméras. T'as capté comment j'ai glissé? J'ai juste entendu dans mon oreille, frère. Oui, parce que j'ai glissé. Ah, mais je me suis dit. Oui, du coup, bébé. On va faire quelques courses pour le brunch et pour la soirée pyjama, pour faire des petits cocktails et tout. Et puis, on rentre. Papa. J'ai trop hâte de prendre une douche chez toi. Oh, c'est cute, hein. C'est cool. Mon petit chien. Où mon petit chien? La bouteille de vin. Mais moi j'aurais une bouteille. Ça va barder, ça va barder, ça va barder. Les filles vont voir. Les filles vont voir. Allez, c'est fermé. Je touche plus. Faisons de la bouteille. À la fin du week-end, elle va commencer à acheter une caméra et faire des vlogs. T'as capté? Ne chauffez pas trop, hein. Attends. Jimmy Stanguette, là.
Elle m'a lâché un thank you. Et voilà la petite table de la Party Girl Skincare Edition. Ici, nous trouverons de quoi faire skincare visage, yeux et lèvres. De quoi se désaltérer et grignoter. Saoudi. Un chocolat, tu peux manger mon bébé. Pas glam, hein. T'inquiète. Non, t'inquiète. Mais arrête de truquer, ça va bien se passer, wesh. Ça va bien se passer. Oh, ah, yo, mec. Comment ça se fait? T'en as mis de toi. Mais c'est dur de prendre soin de sa peau. Un enfant, il y a pas longtemps, il lui a dit: je te laisse, ma maîtresse elle est en train d'accoucher. Il est... Les loulous, j'ai terminé la préparation de notre petit brunch. On est sur des pancakes salés, samouraï, saumon, avocat. Des pancakes sucrés aux fruits rouges, des petits œufs brouillés. Et ça sera tout pour nous donner un peu de force pour bosser. Bon, on a bien rigolé, ha ha ha. On a bien mangé. Maintenant, il s'agira de bosser. Il y a un vlog à sortir dimanche et je ne l'ai absolument pas. Comment ? C'est... Regardez-moi bien. Dégâts. Je me lève. C'est l'heure de la transformation. Transformation terminée, les loulous. Ah, comment vous dire qu'on est en retard? On a rendez-vous à 19h, il est 19h. Mais la transformation est effective. On est sur la petite robe du coup Bershka qu'on a achetée dans la semaine. Elle est grave belle. Elle est trop belle. Je vais la mettre avec ce petit sac argenté Boohoo, une paire de talons blanches. Trop beau. J'adore le look. Avec ma longue tresse bien chicos. C'est parti. La musique dans la peau. Les tontines de sortie, ouais. Chantons. Qu'est-ce qu'elle a, Mireille? Elle est en train de faire sa manœuvre. Ah, elle prend la place. Ouais. C'est parti, les choupinous. Je vais conduire en talon. Déjà que je galère sans talon. Ma belle. Je l'habitue. Je conduis toujours un talon. Sérieux? Tu peux me faire confiance, ma belle. Malgré le fait que l'embrayage ne soit plus une... It's gonna be alright. Non, là, ça va. Je vais reprendre un peu la petite. C'est parti, les loulous. Direction le resto, notre resto chicos Coco à Lyon-Brotteau. On va manger dans notre tenue chicos. Faire des photos. Clairement. Et ensuite, direction le before et ensuite direction la maille. Yeah. Ton petit truc là, c'est trop chou. Il sert à rien, frère. Est-ce qu'il sent encore même? Il sent rien. C'est une Porsche, et... cette voiture. Mireille, j'ai resto, frère. Et ma porte, elle est même pas fermée. Non, c'est bien. Je veux bien. Je suis sympa, je te laisse le temps. Je veux pas te mettre la pression, ma belle. Waouh, waouh, waouh. Talon, il glisse. Arrête. De la pédale. Wouhou! Starf! Mon talon glisse de la pédale, frère. Genre c'est chaud. Genre c'est chaud. Attends, comment on va au Brotteau d'ici déjà? Ok. Nous voilà arrivés au Brotteau, direction le resto juste ici. Que penses-tu de ma jolie ville?
franchement, c'est pour l'instant, ça va, j'aime bien. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est que tous les bretons, franchement, c'est grave. C'est chicot, en fait, t'es dans le quartier... les rich. Yeah. Les arrêts, là, c'est comme un peu de lolo, là. Ah bah oui, tu vas mieux venir en scotch à la maison. Là, le... Bangs and some back, we're back. Les gars, je suis choquée. J'ai pas les mots en fait, j'arrive pas à réaliser qu'ils ont pris mon outil de travail en fait. Bon, écoutez, le vlog il devait pas se finir comme ça, mais je vous explique. On a été vandalisés, ma caméra elle a été prise parce qu'elle était dans le... Elle était dans la boîte à gants. On arrive au niveau de la voiture, on voit que la vitre elle est cassée comme ça. Je sais pas ce qui se passe, bref. Je suis choquée, les gars, je suis vraiment choquée. Qui a volé le macaque, la meuf elle nous en veut. Les gars, il s'est passé une dinguerie. Sortez à droite. Il s'est passé une dinguerie. La vitre elle a été pétée. Ma caméra elle était dans la boîte à gants. Ils ont pété ma caméra. Ils ont pris ma caméra. Il y a un outil de travail genre. Je suis choquée. Thank you.